السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم التتمة ديال الفروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى السادس ابتدائي. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درتهم في القناة يمشي لا ديسكريبسيون، غادي يلقى مجموعة ديال لي ليان، مجموعة ديال الروابط ديال الفروض، يدخل ليهم ويتفرج بتمعن وإن شاء الله غادي يفهم كاع الفروض وغادي يمشي مزيان في الفروض ديالو اللي غادي يديرهم مع الأستاذ ديالو. مرحبا بكل المتتبع الجديد على نظام القناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بك. اذا على بركه الله اليوم غادي نديرو لاكتيفيتي دو لورتوغراف. عندي هنايا 4 كاستيون سون تري فاسيل، خصكم غير تبعوا معايا وتنتبهوا. دونك لا بروميير كاستيون، كلاس لي مو دون لو طابلو. غادي نكلاسيو هاد لي مو اللي عندي هنايا فاين في هاد لو طابلو هذا. صافي، لو طابلو شنو فيه؟ اكسون تيغو، اكسون غراف، accent circonflexe. Donc, il y a les accents. L'accent aigu, il y a les haka. L'accent grave, il y a les haka. L'accent circonflexe, c'est comme un chapeau. Comme ça. C'est bien. Donc, d'abord, un miso. Élastique. Wesh, accent aigu, l'accent grave ou l'accent circonflexe. And accent aigu, le e head. Donc, élastique, rien que tu ben. Élastique. Ayem chasse. Ndouzou l'ancêtre. Naya, on dit l'accent circonflexe sur E. Donc, un ktbaf circonflexe. Ancêtre. Comme ça. Ayem chat liya. D'abord, fidèle. Fidèle, on dit l'accent naya sur E. Accent grave. Fidèle. Comme ça. Chat a dit. Règle. On dit, aoutani, l'accent grave sur E ici. Donc, règle. Comme ça. Règle. D'accord? C'est bien. Ici, écrire. On dit l'accent aigu sur E. Donc, un expert aigu. Écrire. Donc, c'est facile. Là-ci. Début. Regardez. Début, on a l'accent aigu ici. Donc, on a un expert. Début. Donc, élastique, écrire, début, ce sont des mots contenant l'accent aigu. Fidèle et règle. L'accent grave et ancêtre, accent circonflexe. Ça va? Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. Relie le sujet au groupe verbal correspond. Je vais dire, je vais dire le sujet, les huwa al-fa'il, mais le groupe verbal. Ça va? Mais le mjmou' al-fi'li. Donc, on a dit tu, l'école, vous, les éco-citoyens. On a dit avez recyclé vos déchets, a organisé une journée de la citoyenneté, a trié des déchets, pratique des éco-gestes. Ou le hajan, nous avons les pronoms les mêmes. Donc l'école, c'est elle, féminin. Les éco-citoyens, c'est il du pluriel. Tu, un chauffe-eau. Avez recyclé, a organisé, a trié, bien pratique. Donc a trié, le verbe trier conjugué fait le passé composé, mais mal auxiliaire avoir. Tu y as. Hey. Tu y as trié. Ça fait. Tu y as trié des déchets. L'école, ou bien elle, elle a organisé une journée de la citoyenneté. Donc, elle a organisé. Ça fait. Elle a organisé, ou bien l'école a organisé une journée de la citoyenneté. Vous, vous avez recyclé. Le verbe recycler fait m'sarraf, le passé composé, mais à l'auxiliaire avoir. Vous avez recyclé vos déchets. Les éco-citoyens ici pratiquent des éco-gestes. Pratiquent quoi? Ils pratiquent des éco-gestes. Les éco-citoyens pratiquent des éco-gestes. Question 3, suivez. Barre l'intrus. Machi barre l'intrus. Donc, rabatlinaya, écrit. Écrit correctement. Écrit correctement le participe passé. Le participe passé a dit que tu as dit que tu as dit que tu donc le fait de que tu as dit que tu as dit c'est bien. Donc écrit correctement le participe passé. Le participe passé a dit que tu as dit que tu as les membres de cette association se sont le verbe rassembler dans une grande salle. Le verbe rassembler, c'est un verbe conjugué. Fait le passé composé, mais il y a l'auxiliaire être avant. Sont, mais l'auxiliaire être. Donc un que tu as rassembler, c'est un verbe du premier groupe. Rassembler. Humble, comme ça. طبيعة الحال أي verb du premier groupe, le participe passé ديالو كيتسلب الأكسون. عاد كنشوفوا واش كيتكونجوغا مع الأوكسيليير إتخ ولا الأوكسيليير أفوار. إلا كانت كيتكونجوغا مع الأوكسيليير أفوار ما كنزيد له والو. إلا كان كيتكونجوغا مع الأوكسيليير إتخ خصني نشوف شنو غادي نزيد له. دونك هنايا
les membres de cette association. يعني الأعضاء ديال هذه الجمعية. أعضاء ديال هذه الجمعية كيلعبوا الدور ديال إيل هادي. لأن الأعضاء ما عرفناش واش هما فيمينا ولا ماسكولين. دونك دائما المذكر كيغلب المؤنث. وبالتالي غادي نزيد هنايا غادي نزيد سي بلوريال. داكوغ غنزيد إس. دونك لي مومبغ دو سيت أسوسياسيون se sont rassemblés dans une grande salle. Ça fait dans une grande salle. Donc, on a le participe passé, je nous donne le accordé, yani tabqna ma le sujet. Donc, l'accord, hada dars dial l'accord, l'accord du participe passé, du participe passé, du participe pas passé. L'accord dial participe passé, hitach le participe passé, les quêtes conjugales à l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre, yani f'tedkir ou t'enit. Ou le jem ou le mufrad ma le sujet ma le fait. Question 4 maintenant et la dernière question entoure le participe passé convenable. Elle a le participe passé le munasib. Les écoliers ont trié ou bien trié des déchets. On a les écoliers, c'est il du pluriel. On a le verbe trier conjugué ma l'auxiliaire avoir. On a le verbe les ketsarraf ma l'auxiliaire avoir. Le participe passé dialou ma kit accordesh ma le sujet. Yanni ma razidoulou la est la. Trier, trier. Yak? Verbe du premier groupe. Anzou le R under accent. Donc le verbe sahih ou trier. Donc les écoliers ont trié les déchets. La phrase B, Samira rédiger ou bien rédiger. Samira a rédigé ou bien rédigé un article sur le gaspillage alimentaire. Donc le verbe rédiger, c'est un verbe du premier groupe. Kanhaka rédiger. Ça fait rédiger. Donc, quand il y a un R, on a l'accent. Donc, a rédiger, c'est hayed. Hitesh, had le verbe qui est conjugué à l'auxiliaire avoir, ou les verbes qui sont servis à l'auxiliaire avoir, le participe passé dialogue, ma quitte accordage, en genre et en nombre avec le sujet. C'est les écoliers sont venus, ou bienvenus, pour célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant. Et n'aïe venu, ou bienvenu, l'asle dialogue, c'est le verbe venir. Yak, verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Ou quand on a dit qu'il y a un verbe avec l'auxiliaire être, ou le participe passé dialogue, ou est venu. Ça fait ou est le participe passé dialogue. On chauffe, les écoliers, c'est il du pluriel. Ou naya, on a les participes passés, les qui sont à l'auxiliaire être, qui est accordé. Donc, naya, le participe passé, c'est le S. Donc, finalement, les aides le S, ou est venu. Ok. La phrase D, Samira et Rachida sont allés. Dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. Donc Samira et Rachida, c'est le pluriel. Voilà qui est pluriel féminin. Pluriel féminin, on a le verbe aller conjugué avec l'auxiliaire être, donc le participe passé, suite accordé. Participe passé, au kharadit sala, be accent, nanzi de e, hit féminin, nanzi de s, hit pluriel, hit le jem. Donc finalement, le job, ça fait aller. Ça fait? Donc Samira et Rachida sont allés dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. Ou bien, je vais vous mettre la vidéo de l'aujourd'hui, qui est l'activité de l'orthographe, فرض من فروض المراقبة المستمرة, المرحلة الثانية, المستوى الدراسي, السادس ابتدائي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. كان معكم استاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.